Je suis malvoyante et s'il y a bien une chose qui m'angoisse au quotidien dans mes déplacements, c'est les passages piétons. Première question que vous êtes en droit de vous poser, en tant que déficiente visuelle qui ne voit pas les couleurs, est-ce que j'arrive à voir le petit bonhomme de l'autre côté de la rue? Est-ce que j'arrive à différencier aussi les couleurs de ces bonhommes? Eh bien ma réponse est que ça dépend. Ça peut dépendre de plusieurs paramètres, comme la distance qu'il va y avoir entre moi et le feu de l'autre côté de la rue. Ça va dépendre aussi beaucoup de la luminosité extérieure. Pour ce qui est de différencier la lumière de couleur rouge et de couleur verte, il y a une chose très simple, c'est que la lumière rouge, en pleine journée, souvent, je ne la vois pas. Par contre, si je vois une lumière de l'autre côté, je suis en droit de me dire que c'est bien une couleur verte et que je peux passer. Je me fie aussi beaucoup aux voitures. Si elles sont arrêtées, c'est que je suis normalement en droit de passer, que c'est vert pour moi. Parlons maintenant des passages piétons où il n'y a pas de feu. Là, c'est l'angoisse. C'est très difficile pour moi de juger, par exemple, la vitesse de la voiture qui va arriver sur le passage piéton. Est-ce qu'elle est en train de freiner ou pas? Et est-ce que j'ai le temps de passer le passage piéton avant qu'une voiture arrive? À ce moment-là, je me sers beaucoup de mes oreilles pour écouter et évaluer cette distance. Par contre, le piège, c'est quand la voiture, elle est électrique et que donc elle ne fait pas beaucoup de bruit. Je ne la vois presque pas et je ne l'entends pas. D'ailleurs, c'est un peu le même problème avec les vélos et les trottinettes. Quand je veux traverser un de ces fameux passages piétons, très souvent, je fais en sorte que la voiture s'arrête. Je suis la piétonne chiante qui ne voit pas quand la voiture fait un appel de phare pour me dire vas-y, passe, ou un petit signe de la main derrière la vitre. Je ne les vois pas.